Très heureux de vous retrouver sur la meilleure télé web de Guinée, comme j'aime à le rappeler, Étoile TV, une télé qui ne laisse rien passer, une télé qui est autour de tous les événements de la République de Guinée. C'est cela la quintessence que nous faisions, une façon de vous faire vivre tous les événements de la République de Guinée. Je vous ai dit à l'entame tout à l'heure. Et c'est une télé qui voyage et qui fait voyager. Et ce soir, nous sommes du côté du Belvédère pour vivre cette cinquième édition de la nuit du Poda. Événement signé Vision Pub de Salim Soare. Cinquième essai, cinquième réussite. Nous sommes là pour vivre cet événement. Restez avec nous. On va s'y intéresser pour voir tout ce que nous pourrions découvrir au compte de cette cinquième édition. Et d'ici là, j'appelle mon complice de tous les temps dans cette émission Étoile et Danse. Et lui, il se fait appeler tout simplement Hadi Gianlo Enze dans les ghettos. Bonsoir Massa, bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Et voilà, comme notre vocation, c'est de servir nos téléspectateurs à chaque événement. Donc, on a mis un accent particulier sur les événements. Donc, c'est devenu maintenant une habitude pour nous. Donc, on ne peut pas s'en passer. Comme tu l'as si bien dit, c'est un événement qui ne laisse rien passer. Voilà. Ben, vous l'avez compris, en cinquième édition, on ne peut que tirer chapeau parce qu'on aime à le rappeler qu'une fois n'est pas coutume, mais chaque coutume commence par une fois. Je crois qu'aujourd'hui, Salim Soare est en train de se battre. Il mérite d'être accompagné, il mérite d'être soutenu. Aujourd'hui, il est en train de réunir toute une couche pour parler de cette nuit du Poda en sa cinquième édition. Ben oui, Massa, tu sais, Poda, déjà, c'est une danse, c'est une musique traditionnelle qui était beaucoup plus écoutée dans les maquis. Mais aujourd'hui, il a vu l'ampleur que cette musique est en train de prendre en Guinée. C'est pourquoi lui, il a voulu valoriser. Voilà, il faut ramener cette musique. Cette danse, oui, a une autre couleur, puisque aujourd'hui on est en train de voir comment ça prend de l'ampleur. Poda, donc, cinquième édition, je crois que c'est pas cinq jours, c'est pas cinq mois. Il est en train aujourd'hui de donner une certaine couleur, une certaine particularité à cet événement. Restez sur la télé qui ne laisse rien passer. Vous nous regardez du côté de la France. Nous sommes suivis aux États-Unis en passant par l'Allemagne. Ben oui, c'est une télé qui voyage et qui fait voyager, je vous ai dit. C'est cela notre particularité. Restez avec nous. Nous, on va s'intéresser à ce beau public qui sont présents pour être un témoin oculaire. Pour le moment, on peut se dire que cette cinquième édition s'avère être une réussite. Bon oui, c'est une réussite totale. On a vu dans tous les médias comment les spots sont passés. Donc aujourd'hui, on est en train de vivre cet événement ici au Belvédère. Je crois que le public a effectué le déplacement, la dimension de l'événement. Parce que quand on parle de Poda, on parle de la musique pastorale. Et la musique pastorale, on sait qu'est-ce que ça signifie. La musique, l'art de combiner des paroles soutenues par des mélodies, c'est sur ces mots. Nous, on va jeter nos regards avec ce public. On va prendre les avis de ce public qui sont aussi là pour la cause. Sans ce public, cet événement n'allait pas se tenir, il faut le rappeler. Alors, nous jetons nos regards. Nous mettons toutes nos caméras sur ce public pour prendre quelques mots d'eux. D'ici là, reste avec nous, Étoile TV. À très vite. Donc, sans cela, c'est un sentiment de joie pour moi. C'est un sentiment de fierté. Fierté d'avoir été choisi pour être président d'honneur de cette activité, de cet événement. Un événement qui concerne une partie fine de la culture guinéenne, qui est la musique pastorale. À la nuit du Poda, c'est un événement qu'il faut saluer, parce que très vite les organisateurs ont compris que le Poda, c'est une tradition qu'il faut valoriser, qu'il faut pouvoir vendre au public guinéen et au public étranger. Donc je salue les organisateurs qui ont su pérenniser cet événement et nous souhaiterions que l'État accompagne parce que ces événements mettent davantage en avant ce que nous avons de plus riche, de plus unificateur et de plus valorisant pour la culture guinéenne. Et nous avons décidé de venir honorer de par notre présence. Des ambiances comme ça, il faut continuer. Je voulais lever, faire lever. Nous espérons que cet événement, la nuit de Poda, bien sûr, va se passer à autre chose le temps que les musiciens ne s'installent. Dans l'espace pour le bonheur. Je vous annoncer la présence du ministre de l'Ambiance, M. Albert. Toujours dans les sillages, bien entendu, dans les paramètres de cet événement, nous sommes du côté de Belvédère. C'est l'espace qui sert de cadre idéal pour cette cinquième
édition de la nuit du Poda organisée par la structure Vision Pub de notre confrère Salim Soaré. Nous sommes avec quelques artistes. On va essayer de prendre leur réaction vis-à-vis de leur présence par rapport à cette cinquième édition. Comme on l'aime à le rappeler, la reconnaissance est l'œuvre des hommes forts. Ce soir, ils sont tous là pour accompagner la culture guinéenne, pousser cette culture à aller au niveau. D'ici là, j'invite Hadi Diallo qui va encore être là à nouveau. Vous le savez, c'est un duo gagnant, Hadi Diallo, Mansa Record. Et si vous le rejoignez maintenant, vous êtes dans votre émission Étoile et Vince, une émission qui ne laisse rien passer. Une télé qui voyage et qui fait voyager, Hadi Diallo, dans les coulisses de cette cinquième édition de la Ligue du Poda. Comme je le disais, vous savez, cette fois-ci, pour cette édition, il y a une particularité. Ce n'est pas forcément les musiques pastorales qu'on va écouter ici ce soir, parce que cette fois-ci, Salim Soaré, notre confrère, a décidé de réunir d'autres artistes pour venir donner notre couleur cette cinquième édition. C'est ce qu'on appelle, dans une expression appropriée, le métissage musicalement parlant. Ben voilà, il y aura beaucoup de couleurs musicales qu'on va devoir retrouver ici ce soir. D'ailleurs, c'est ce qui va être la particularité de cette cinquième édition. Ben oui, parce qu'il y a toute une brochette d'artistes guinéennes qui sont venus accompagner pour donner le tonus à cet événement, qui sont venus accompagner Salim Soaré, comme pour dire que ouais, ils sont ensemble. Quand on parle de la musique pastorale, on parle forcément de la Guinée. Quand on parle de Poda, on parle de la Guinée entière. Ben voilà, vous l'aurez compris, de la Guinée entière, restez avec nous. On va jeter cette fois encore le regard sur nos artistes, une façon de vous dire qu'ils sont tous mobilisés pour accompagner cette cause noble. La cause, elle est de pousser, faire booster, faire valoir, promouvoir la culture guinéenne dans tout son ensemble. Restez avec nous, Étoile TV, la télé qui vous accompagne partout. Ça fait plaisir, surtout que quand tu te retrouves avec une culture, un style musical qui n'est pas aussi très facilement, dont l'appartenance est à la Guinée, c'est autre style, ça ne peut que faire un de plus sur ce que nous sommes en train de faire. Ok, André, mais c'est la nuit de Poda, et André, la Guinée, il faut que la Guinée soit là. Donc, si Salim Soaré, notre team est là, alors comment maintenant nous devons pouler ma maniga, ma sauce, ma guerre, ma forestier, ma kissi. Donc, comment il faut voir ici, ça veut dire que nous allons Salim Soaré la nuit de Poda. Là, quand on est voilà, on est parti, on est monté, on est allé Poda, on va immobiliser, comment il faut voir où on est hôtel. Donc, Poda, c'est important. Pour la couronne, fille mobilise quoi diamant faux, faux on a ini on a une autre donc ça rien n'est pas là, c'est ça le poda. Merci. Mais comme vous savez bien, vraiment, on va faire des tonnes là en affaire de dire, parce que on va faire un amour et soutenir dans la fin de ma famille de dire. Et bah tu y as mes artistes sont des bourrins là, donc on y a là en affaire de dire, on sait quoi affaire de dire, vraiment soirée sera fait affaire. Et là, la porte a rythme dans la rythme, il y a un menard. Pour un bonbon, voilà, il y a des fourrés dans la rana, la gabou qui fait la rama, parce que c'est un menard. Je m'appelle Alpha Dabola Camara. Ok, aujourd'hui je suis là, aujourd'hui je suis très content. C'est pour la nuit de Poda que je suis là. L'année passée, j'ai été bien passé ici, donc c'est pourquoi aujourd'hui encore je suis venu. Je veux dire à tout le monde aussi de ne pas oublier les nuits de Poda. Et prochainement encore, j'invite tout le monde d'y venir parce que quand même c'est doux quand même. Je suis Amadou Gak, ministre des Affaires étrangères, porte-parole de la OUMA. J'ai l'honneur de prendre la parole au nom de la OUMA, au nom du président de la OUMA, pour remercier l'équipe d'organisation de nous avoir invités. Et nous sommes heureux et nous sommes honorés de faire partie des quatre structures invitées ce soir à cet événement important. Il faut le rappeler, la nuit du Poda est un événement qui arrive à résister au temps. C'est sa cinquième édition et il faut le saluer, il faut le féliciter. Alors, au nom de tout le gouvernement de la OUMA, au nom du président, je remercie encore une fois et nous vous exprimons toute notre solidarité, tous nos encouragements pour vous dire que cette initiative, elle est belle.
et elle est l'expression éclatante de la culture guinéenne. Il faut le pérenniser, il faut le continuer et vous pouvez compter sur nous, sur la Ouma, pour vous accompagner et être là à chaque fois que cela sera nécessaire. Alors, une fois encore, merci et nous sommes heureux d'être là et bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup à la Ouma. Fraîcheur qui nous tape et venant de l'océan Atlantique, c'est maintenant que le vrai spectacle de la 5e édition de la Nuit du Poda démarre. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir un garçon. Son père a chanté en République de Guinée. Il a émerveillé le peuple de Guinée, les mélomanes de Guinée, l'Afrique et le monde. Aujourd'hui, celui-ci n'étant pas de ce monde, il a pris la relève. Et il le fait bien. On ne va pas trop commenter ce garçon. Je voudrais que par ses actes, il vous prouve ce dont il sait faire, ce qu'il sait faire et ce dans quoi il a hérité. C'est un héritage co-sanguin parce qu'il a aussi des frères qui sont dedans. Quelle année Habib Fata Kofu Todin quoi. Mon guitariste Amadou Kanté, c'est mon grand et c'est mon maître aussi. Allons, mon grand tout boum. Thank you.
merci, merci, merci. La nuit des Poda. Voilà que les gens vont faire un bâtiment. Si je suis un peu plus grand, je vais faire un peu plus grand. I'm gonna get you.
Wana gami kele te kofine Weyo, wana makara
Voilà.